Je suis Martin Roger, membre du département digital de Campus Lucris Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer notre projet que nous avons eu à faire aujourd'hui au niveau des short films. Parce qu'à Campus Lucris, ma mission c'est d'écrire et réaliser des short films pour l'évangélisation. Et cette année, nous avons fait un film que nous avons tiré du livre de Amos 4, le verset 12, qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Voilà. Finalement, nous avons remarqué que lorsque nous partons à l'évangélisation, quand on prêche à des gens, ils disent « Moi, je ne suis pas prêt à accepter Jésus-Christ aujourd'hui parce qu'il faudrait que tout aille d'abord chez moi bien pour que je puisse vraiment accepter le Christ ». Voilà. Donc, à chaque fois qu'on rencontrait ces problèmes-là, on a eu à faire un film dessus pour rappeler aux gens que lorsque tu as l'occasion d'accepter Jésus-Christ, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que demain peut être trop tard. Donc le titre du film même c'était « Demain sera trop tard ». Voilà. Et dans le film, il s'agissait du jeune Charlie qui revenait de l'entraînement, qui a croisé l'évangéliste. Et l'évangéliste lui prêche la parole. Il lui dit qu'il n'a pas le temps pour ça, que lui c'est son ballon qui l'intéresse. Malheureusement, en allant sur... En partant chez lui à la maison, il a eu un malaise, on l'a conduit à l'hôpital et là il est resté. Voilà, donc ce film que l'on fait, c'est pour dire aux gens que pendant que nous vivons sur la terre, il faut penser aussi à demain. Quand nous allons mourir, où est-ce que nous allons partir? Voilà. Quand vous avez l'occasion d'accepter Jésus-Christ, il est important de le faire en même temps. Parce que même tout de suite, un malheur peut vous arriver et c'est fini pour vous. Personne ne connaît le jour ni l'heure où il va mourir. Donc nous avons fait ce film-là dans ce livre pour rappeler aux gens qu'il faut accepter Jésus-Christ, qu'on a l'occasion parce qu'on ne connaît pas demain. Voilà. Maintenant, bon, comme projet futur, vraiment, si on demande d'avoir des moyens et puis bon, si on peut bénéficier des formations, voilà, mon objectif l'année prochaine, c'est de pouvoir faire au moins un court-métrage. Et là, vraiment, on aura besoin de moyens pour pouvoir le faire cela. Voilà. Maintenant, tout de suite, ce qu'on veut faire, on veut faire des séries. Des séries où on va montrer aux gens comment est-ce que certaines personnes, on va prendre l'histoire de ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Voilà. On va demander à chacun comment tu as rencontré Jésus et en fonction de son histoire, on va faire des choses fumes là-dessus. Voilà. Pour essayer d'atteindre certaines cibles. Voilà. Peut-être d'autres étaient dans le milieu de la drogue, d'autres étaient dans le milieu de la prostitution et c'est là qu'ils ont rencontré Jésus. Donc on va utiliser ces histoires-là pour faire des séries de short films. Voilà. Pour pouvoir vraiment encore prêcher la parole et envoyer ces derniers-là à Christ. Voilà. Donc quelqu'un qui voit son cas dans un short film, cela peut le conduire à Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça notre objectif pour l'année prochaine. Et cela, je vous dis merci et que Dieu nous bénisse. Ciao.